Je m'appelle Thilo Breifuß, je suis prototypiste. On a eu l'idée de KEM parce qu'on avait envie d'aller pousser vraiment les choses le plus loin possible, techniquement et aussi d'un point de vue esthétique. Le bois, c'est un matériau qui a un tel potentiel. Tout le travail et le comment on peut le mettre dans les applications, on ne l'attend pas. Cette collaboration avec Renault, c'est un résultat du projet KEM. Renault voulait intégrer dans son prochain concept car du bois d'une manière pas seulement décorative, mais faire vraiment les pièces structurelles qui aient une vraie fonction dans la voiture. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait avant, un vrai défi. On a développé une technique qui consiste à orienter les fibres du bois dans une structure complexe. Dans un cadre de vélo, par exemple, il y a environ 150 fines lamelles de bois qui sont orientées selon un schéma précis, cousues entre eux, pour créer cet objet. Et on arrive à des structures qui sont beaucoup plus performantes que ce qu'on pourrait faire en assemblant juste différents morceaux.